Donc la société de secours en montagne de Saint-Gervais, elle fait partie des 9 sociétés de secours en montagne de la Haute-Savoie. Sur le domaine skiable de Saint-Gervais, aujourd'hui, on propose différentes disciplines. Et notamment, il y a plusieurs parcours, des parcours de ski de randonnée, des parcours de raquettes. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces gens, de leur expliquer aujourd'hui dans quel milieu ils évoluent, et puis de leur prêcher, je dirais, les bonnes informations et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, l'association met tout en œuvre, je dirais, pour que les conditions soient propices à leur évolution sur le domaine skiable. Il y a un niveau de risque qui est connu aujourd'hui sur les domaines skiables. Il y a des bulletins d'estimation de risque d'avalanche à connaître. Aujourd'hui, bon nombre de personnes doivent se sensibiliser, je dirais, à ce type d'informations. Et aujourd'hui, c'est des informations qui sont cruciales pour leur sécurité. Donc côté matériel, on rappelle bien évidemment la trilogie nécessaire. Donc le DVA, donc appareil émetteur-récepteur des victimes en avalanche. D'accord. Donc ensuite, on va retrouver la pelle. La pelle, dans la mesure du possible, on utilisera du matériel relativement professionnel. Je m'entends, pelle, on va supprimer les pelles, je dirais, plastiques. Et on va également prendre une sonde, dans la mesure du possible. Nous, ce qu'on préconise côté secours, des sondes, là, dans ce cas-là, comme j'ai ici, des sondes acier. Cet objectif, aujourd'hui, consiste à réellement apporter, je dirais, une connaissance générale à tous les usagers de la montagne. Une réelle mission qu'on nous offre aujourd'hui, à être sur le terrain et pouvoir réellement communiquer avec ces usagers.